Bonjour à VOD! Nous sommes sur Hitman, la trilogie. Nous allons commencer par le 1, incroyablement. J'ai hésité, mais on a... Mais voilà, je me suis dit, est-ce qu'on va pas faire le 3 direct? Parce que je pense pas que je ferai les autres. En fait, on va faire le Hitman, ouais. J'ai vu Hitman, le film Hitman, c'est un chef-d'œuvre, je te le conseille. Tu rigoles, non? Je rigole un petit peu. film Hitman, ouais, ça fait partie de les grandes réussites des adaptations de jeux en film, effectivement. Bon, let's go. On va passer sur le 1. Du coup, je connais pas du tout. Il est recommandé de terminer le test final avant d'accéder à ce contenu. Mais moi, je veux juste l'histoire, moi. Mais c'est quoi Showstopper? Le test final. Showstopper. C'est quoi le test final? C'est ça le test final, c'est prologue? Putain, on peut pas défiler. Je peux pas voir. Attends. Je vais tenter avec la manette parce que là ça m'énerve. Non! Ah, le test final, c'est ça. Ok, on va faire le prologue alors. T'as rien que le prologue, je le redoute. Jouer, hein, au pire. Je peux jouer? Il y a beaucoup trop de menuing dans ce jeu. Je veux pas jouer à un menu. Bordel. Pas dans Football Manager. Là. Bonsoir Gaël. Waouh. Effectivement, du charisme. On l'avait dit ça. Bon, en tout cas, je pense que c'est un jeu qui se joue très bien à la manette, j'imagine. Est-ce que je peux courir? J'attendrai à l'intérieur. Tu veux la lumière, s'il te plaît? Est-ce que... Test numéro 1. Est-ce que je peux mourir? Bon, dans la vraie vie, non. Je sais que c'est impossible, parce que je ne mourrai jamais. Mais dans le jeu. Non plus. Ok. Oh! C'est quoi ce bruit? Oh punaise, c'est les lumières qui font du bruit? J'entends la lumière? J'ai voulu me suicider, le jeu l'a dit arrête, c'est bon, on avance. Aujourd'hui au menu, un menu. Pour apprendre des menus du menu. Merci beaucoup. Gestion, n'est-ce pas? On m'appelle Diana. Attendez, l'écho! Je suis obligée de mettre l'écho! C'est pas grave au secret, ce que je vois. Secret, c'est votre spécialité. On m'a dit, vous en avez quelques-uns en stock. Au cas où vous me posez des questions, je suis agent de liaison. L'agent de liaison de concert. Vous connaissez YouTube, tout ça? Bien, je vais être l'ennemi, c'est mon boulot. Être son ennemi, c'est que la moitié de la victoire. Je sais! Il faut se connaître aussi soi-même. J'ai lu votre dossier. Vous faites des choses impressionnantes, mais pas très conventionnelles. Mais rien de l'est sur le terrain. Comment ça aide de tuer? Qui ça fait? C'est gratuit. Chaotique. C'est pour ça que vous êtes là? Vous avez accepté qu'on vous teste? Vous n'êtes pas le seul qu'on teste. Entraînement commence dans 6 heures. À 6 heures. Je vous laisse vous préparer. Est-ce vraiment moi que l'on teste ou est-ce vous? Bien sûr. Je suis. Deuxième chance, Mitch machin. J'ai choisi. Je vous demander pourquoi. Aucune information sur lui. Antisocial, apathique, insensible. Tout qui a du potentiel, mais. C'est exactement le profil qu'on s'imagine d'un tueur à gage en fait, non? Ça va de rien. Si c'est le cas, il ne l'a pas dit. Nous vérifierons cette histoire de l'hôpital de Roumanie. Gardez sur surveillance rapprochée. Ok. Ça a l'air profond en tout cas, ça fait réfléchir.
Entraînement avancé. Cette opération, initialement conduite à Sydney. Oh, le Batal! Mais il est dans un hangar! C'est rigolo! Ah, mais il y a des vrais gens par contre, hein. C'est pas des mannequins. Vous devez vous infiltrer dans le Yorok, éliminer votre cible et vous exfiltrer. Sans qu'aucun invité ne remarque quoi que ce soit. Donc, agent de machin là, vous êtes la personne la plus dangereuse de chaque pièce. Mais la force brute ne vous mènera à rien. Et un assassin digne de ce nom n'attire jamais l'attention. Ok. Du coup, ils ont embauché plein de vrais gens pour mon entraînement. Eh, franchement, les gars, ça me touche un peu. On traite une perception sensorielle particulièrement développée. Ah, mon œil de l'aigle, là. Oui, comment j'utilise? Tu me parles trop. Ok. Mon œil de l'aigle me dit que c'est là-bas. Oh, ça me met accroupi. Comment je me désaccroupis? Ok, ça c'est accroupi. Du coup, c'était courir. Ah, je peux rien faire. Parcours! Ah, du coup, de base, il se met accroupi quand je vais sur un truc. Oh! Oh, ça je connais. Alors, attendez. On fait des trucs comme ça, je me rappelle. On reste accroupi, on reste chauve et on prend des vêtements. Mais c'est un entraînement, mec, hein. On est censé faire semblant, non? Oui, d'accord, excuse-moi, j'essaye. Vous avez pris ses vêtements? Oh, trop bizarre, quoi. Et tu te dis pas, vous avez tué mon agent, c'est pas cool? Brisez le coup. Ah merde, c'est un innocent! Mais en plus, c'était vraiment innocent parce que c'est un entraînement. Je peux pas le déplacer. Ah, c'est ça que je voulais faire, moi, c'est le déplacer. Ah merde, je le mets où? Attendez, je déplace. Ouais, je vais le déplacer là. C'est bien là. J'avais aucune idée d'où le mettre en fait. C'est quoi ça? Te déguiser. Col roulé tactique. Hein? D'accord, c'est ma tenue ça. Déguisement actuellement porté. Ah d'accord. Tous les déguisements ont un nom. Ouvrir. Ah bah j'aurais pu le mettre dans les chiottes. Entrez. Ok. Ça, je connais ça. Oh! Toujours aussi insipide. Attendez, je vais essayer de prendre le cadavre. Ah, déplacer le corps. Mais oui, c'est ça. Fallait que je le fasse. B. Mais du coup, je l'ai pas vraiment tué. Parce qu'en soi, ça reste quand même un entraînement. C'était un brisage de cou non létal. Non, ça se fait trop pas. Ah, je peux le mettre là-dedans, mais il tiendra pas. Ça tire de vous un cadavre direct comme ça. Je veux dire là les genoux ils... Hein? Les genoux. Ils sont un peu mous hein. Sauvegarder et charger. Le jeu sauvegardera automatiquement durant la partie. Merci. C'est super. C'est le tuto, pas sauvegarder des tutos. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas besoin de me cacher. Du coup là je peux passer. Normal. Les personnes signalées par les cônes menaces vous trouveront suspect. Faites en sorte qu'elles ne vous repèrent pas. Ah si, il me trouve bizarre. Là, il me trouve dans... Si je me prends de lui, il me trouve menaçant. Là, ça va, là. Là, un mec qui reste devant toi comme ça, ça va. Par contre, si je m'accroupis... Là, c'est chelou. Ah, je suis dans sa bubble. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, on commence à vous regarder bizarrement. Mais pourquoi? Si vous êtes repéré dans une zone à accès restreint, que vous touchez des objets interdits, que vous effectuez des actions illégales, des gardes... Oui, d'accord. Right.
Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Allez, faut que je le bute. You're in. Okay, that's it. Well done, initiate. Security's on their way. You've been quickly. Try and lose them. Mais non, j'ai rien fait d'illégal, putain. Tu pourchassais? Mais non, mais attends, tu me dis trop de trucs. Ah, attends, j'en ai marre. Attends. Ah mais non, mais j'arrive pas à courir, putain. Désaccroupis-toi, tu me vénères. Ferme. Mais non, mais merde. Ah, oh, c'est pas con ça, je vais me changer. Attends, je vais me changer. Mais change-toi! Où c'est le coup? Et si je brise le coup? Mais non, mais. Je voulais me changer! Je peux pas me changer en lui! Non, je referme la porte. Ah, je peux pas. Si, c'est bon. Je peux me changer. Non, merde! Non, pas ça! Non, je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais j'ai pas compris! Ça va! Je prends beaucoup de balles quand même. Ah, c'est bon. La rigidité cadavérique, ouais, au bout de 5 secondes de décès. Oui. Ah mais on nous explique trop de trucs en 5 secondes, c'est tellement chiant. Ok. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quiet. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. Ah, il faut que je déplace d'abord. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, initiate. Bon, faut que j'arrête d'agir bizarrement. J'ai jamais su comment faire, mais je vais trouver. Right. They won't find him anytime soon. Ok, là je peux marcher tranquillou. Oui. Ah, laisse-moi. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Utiliser l'entrée de service. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. Ah, c'est un agent. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. D'accord. Well done, initiate. Quoi ça? Oh, je peux déclencher une alarme. Faut que je trouve un moyen de monter. Y'a peut-être des trucs à looter en vrai, hein. Genre des trucs qui pourraient m'être utiles. Faut que je monte par un endroit en particulier. Ah, clé anglaise. Ouais, parce que j'ai pas d'arme moi. Si, j'ai une arme à feu. Oh, je vends ça à pied de biche. Après, j'ai un pied de biche à la main. Est-ce que c'est suspect ou pas? En vrai, en tant que mécano, on a souvent des pieds de biche à la main. Je sais pas, je suis pas mécano. Oh, si je prenais un flic. Il est tout seul. Non. Bon bah d'accord. C'est déguisé. Pourquoi je peux pas? Let's go. Ah, je peux le déplacer en plus. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Attendez, déplacer. Ah, c'est bien, je suis un flic. Par contre, j'ai quand même ce pied de biche à la main. Je peux pas le virer? Dans le jeu, il m'a pas dit comment ranger mes armes. Mais un flic, ça a le droit d'avoir un pied de biche à la main, c'est pas grave.
Engine room. Bon bah je vais monter hein. Avec mon petit pied de biche là. Ah ça c'est un agent ça. Alors lui là. Hein? Tu m'as parlé? Mais... ta gueule! Ah ça va, je suis dans la foule je pense, alors ça va. Faut que je fasse le tour je pense. Est-ce que je peux pas me déguiser en... en un invité? Oh il est à l'étage, faut que je monte encore. La silencieuse, mais non non non. Il y a un peu des gens autour, un tout petit peu. J'aurais remarqué qu'il continue à picoler. Ouais j'avoue. Mais là je peux passer là. Ah voilà là je peux. Je peux tout simplement monter. Non non j'ai... Comment ça j'étais compromise? C'est pas si beau, j'ai rien fait! What the... J'ai mon pied de biche! J'appuie sur tous les boutons. J'ai rien compris. Mais du coup... qu'est-ce qui allait pas? Le mec qui m'a remarqué, c'était même pas un flic. Chargé. Oui, tout à l'heure j'ai fait. J'aurais dû faire charger. Donc là je peux. Toujours mon pied de biche à la main, le jeu ne dit pas comment le ranger, je suis sûr que c'est ça qui me fait repérer. Regardez direct! Oh non, il est ok, il est ok. Ça va, ça va. Ah, c'est bon, je suis plus repéré normalement. Non, mais il me saoule lui. J'ai rien fait. Je veux dire, il veut me tuer direct. Il se fait taper dans l'autre jeu, mais j'ai pas compris comment affronter au corps à corps. Hey, Mr. Bodyguard. Oh, bah la cible, elle est où? Elle est là. Bonjour. Ah, ça va, c'est pas moi. Ils savent pas que c'est moi. Bonjour monsieur, vous voudriez pas venir dans votre chambre s'il vous plaît? Mais c'est pas une chambre, mais qu'est-ce que tu... Ah mais non, mais c'est vrai qu'on est dans un faux paquebot. Pied de biche à la main. Ouais, toujours hein. Bon bah Ouais, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Oh mince, je l'ai pas tué. Déplacé. Attends, 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 attends. Allez, ferme. Elle est pas fermée. Attends, 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 ferme la porte. Voilà. Hop. Et voilà. Il est parti. Les gars, il est parti.
canalisation de la poutre, je pense. Elle est partie. Ah mais je me rends compte que vous voyez pas derrière la map. Va attendre 2 minutes, hein. En plus on voit l'énorme code barre derrière Manu. Ah, juste compromis. On dirait qu'il passe pas par la porte, hein. Ok. Quoi? Au moment où je sors, quoi. Attends. Attendez. Je vais faire... Voilà. Je vais me déguiser en lui, genre. Non ! Non, mais je veux juste courir. Ça va, ça va. Comme sur des rollers. Je peux pas passer? Oh, je peux pas descendre. Descends là! Je sais pas comment descendre. Ok. Il me fait chier lui! Non mais c'est insupportable, j'arrive pas à courir! C'est quoi cette gâchette haut pour courir? Comment ça à chier? T'appuies toujours sur B quoi! Attendez, je vais mettre là finalement. L'arme en main, bah vous le voyez. David Koudenov. Oh comment c'est chiant! Je vais faire charger, hein, ouais. Comment je galère? Allez. Mais putain! Non! Non! Vas-y, je recharge. Viens. Mais comment je fais du coup? Parce que les deux cadavres... Enfin, il y a 1000 personnes devant la porte. Attendez, attendez. Voilà. Oh, je peux me déguiser en lui. Vas-y, je me dis. Gueule. On va mettre combien des corps là-dedans? Ah, je peux en mettre plusieurs. Mais j'en ai marre. Merde. Oh, et puis du temps. Non, pas du tout, j'en ai marre. Mais comment ça se fait? Bon, je vais rester dans le... Je m'en fous, je reste dans mon placard. Hein. Je reste 2 minutes dans mon placard, c'est bon. Ah, quelqu'un qui va venir, là, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est pour ça que je me fais avoir. Voilà, là, je suis juste compromis. Il faut qu'il ferme la porte. Ferme la porte. Oh, il ferme pas la porte. Oh, il nettoie. Et tu fais ça pire que moi. D'accord, c'est pour ça, c'est ça qu'il fallait que j'attende en fait. C'est qui minge. Et où peut-être petit lettre. Allez. Allez. Il va? Allez, je sors là, je me tiens. Voilà. Je suis plus compromis là, c'est bon. Ah,
Mais comment? Mais tu comprends pas! Allez, allez, vite, passe, passe, passe! Ah, je peux pas. Ça m'énerve, je comprends pas! Tout à l'heure, j'étais compromis, mais en fait, ça allait. Là, maintenant, je suis compromis, ça va plus. J'ai essayé de les rentrer vite, mais j'ai pas réussi. De faire les nouveaux. Bah là, je suis dans le prologue, là. En fait, j'ai pris toute la trilogie. Enfin, j'ai pris. Oh, mais on va être obligé d'attendre. Bon, moi, je sauvegarderai après ça. Mais du coup, dès que je sors, je me fais repérer. Je fais comment? En statut pour chasser. Bah, en fait, il y a compromis. Et compromis, ça veut dire que, genre, on soupçonne, on sait qu'il y a quelqu'un. Mais on sait pas qui c'est, non? Je comprends pas. Bon, je vais être obligé d'attendre. Hein. Je vais sauvegarder après. Comme ça, je me retaperai pas ça. Après, faudrait peut-être que je recommence le meurtre, en fait, non? Là, j'hésite, hein. Quoi? Ah, mais oui, il était pas mort! Il dit. Ouais? Repartir de la chambre, c'est chiant! La porte? Il y en a un autre qui va venir. Non? Là, sur ma map, là, il y a personne, je peux sortir. On sauvegarde. Voilà. Ok. Putain! Ok, faut que je parte en courant. Tant pis. Ah, mais à chaque fois que j'essaie de courir, c'est pas la bonne touche, ça rend dingue. C'est un sup, hein. Je vais essayer de courir tout de suite, hein. Topi, topi. Oui, d'accord. C'est pire, en fait. Faut peut-être que je recommence, hein. Au centre à pile. Je vais recommencer le crime, hein. Ça va pas, hein. According to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Hey, you've been compromised. Try and lose them. Ah, ils m'ont vu. Bizarrement. Mais pourquoi on me laisse monter les escaliers alors qu'il y a un agent en bas et une fois en haut, c'est pas bon. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. You have been compromised. Quickly, try and lose them and change your disguise. Ah, faut que je change mon déguisement. Ça va pas, hein. Il a l'air de fou. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. Il y a du huit là. Et en plus, je peux rien faire. Je peux pas balancer un truc. Le jeu, il me dit rien. Ah bah enfin! Merci! De piano, pied de biche. Faut que je monte ailleurs. À l'extérieur, peut-être. Il y avait des escaliers.
sais même plus comment j'ai changé d'arme. Bon. Moi, je reviens au même endroit en fait là. Là, je crois que j'ai fait un petit tour. Faut que je prenne un autre déguisement, mais j'en ai pas d'autres. Je sais pas comment faire avec le gars, hein. Faut le tuer très vite, quoi. C'est pas mal, ça, limite, non? Mais j'en aurais pas. Non mais je les touches sont affreuses en fait. Elle est où la cible? On est verrouillé. Oh, crochet. J'ai pas. Dans mon placard, hein. Pour moi, je l'avais buté. Je sais juste pas comment sortir, mais je l'avais buté. Faut que je change de tenue. Je vois pas comment. C'est bon là, non? Là, je me suis redéguisée là. C'est bien, non? Ah, ils sont tous suspicieux. Oh, merde. Je peux pas envoyer des trucs comme dans Assassin's Creed loin pour... Je sais pas. Je peux pas le viser lui. Genre, on peut pas envoyer un truc normalement? Comment j'utilise? Rien à en face. Mais je pourrais jamais sortir, hein. À me relever. Oh, j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu, punaise. Ah, c'est... Ah, punaise, j'avais même pas vu ça, quoi. C'est quoi, ça? Ah oui, là, je peux franchir. Ah, mais tout simplement... hostile. Ah bon. Je peux pas redescendre encore? Pardon, j'ai éternué. Putain, je voulais passer, il veut pas passer.
Oh, j'y pépé quoi. Tu peux pas franchir une palissade comme tu veux. Alors que c'est pas très haut, hein. Et il y a des matelas en plus. Pourquoi je peux pas jouer? Charger. Les touches sont vraiment insupportables, quoi. Ça, il n'y en a aucune qui est instinctive. Vas-y, dis où. Pas mal, lui. Pas mal, ça. Et maintenant, si je vais faire des guisements, ça va aller mieux, non? Je peux pas. Les liquins carton. Ouais, je prends. Là, je suis toujours compromis maintenant que je suis déguisée? En fait, on est compromis quoi qu'on fasse, quoi. Quand ça marche et que je peux prendre le jeu. Les conseils rapides, hein, même Jux il abandonne, alors bon. Je les conseille. Ça m'a servi à rien de changer. Ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi je me change si ça fait ça. Comment je pars? Et là, je peux pas sauter. C'est facile. Ah bah oui, ils vont pas me repérer, c'est bon. Security crew, hein? Ouais, ça va. Je suis un peu compliqué la vie, je crois. Comment j'ai galéré pour ce tuto? J'ai terminé l'entraînement avancé avec brio. Et je peux me permettre. J'ai mis une heure. Pour rien. Ah, je vais mettre une demi-heure, mais c'est déjà trop, hein. Oh là là. Comment l'as-tu? Mais pourquoi tu avais du talent? La santé exceptionnelle. Ça, je ne vais pas dire. Je suis un peu une exception, ouais. Tous les agents ont leurs points faibles. Les points faibles qui permettent de les garder sous contrôle, mais lui. Peut-être est-il mieux. Donne-moi une chance. Donne-lui une chance. Assume-moi toutes les conséquences. C'est dangereux de dire ça quand c'est moi qui contrôle le perso, j'en assumerai toutes les conséquences. Risqué. Oh, encore le bateau. Non, je l'aime pas. Vous êtes capable de résoudre chaque problème qui se pose à vous. En plusieurs situations, vous allez donc faire l'exercice en attaquant depuis un angle différent. Projet de stratégie improvisée, nous vous observerons. Oula! Ouais, avant les tests finales, prendre le temps de vous entraîner à l'opération Ritter. Hein? Ironie. Classique. Le créateur exploit. On peut le noyer. Ok, faut faire des défis en fait. Mais moi, je vais essayer de lancer un truc. Je sais que c'est blessé pour. Oh, mais il y avait plein d'objets ici! Il y a des crochets. Non, mais tu. Espèce de connard, relève-toi! Relève-toi! J'en ai marre. Des pièces! Mais oui, ça, j'avais vu ça!
Faut que je me déguise en agent. Monter dans l'yacht. Déguiser en agent. Après, je peux toujours me déguiser avec lui. Oui, oui. Voilà. Là, au moins, je pourrais quand même... Oui, d'accord, merci. Je suis comme ça. Est-ce que je peux faire un truc du style ? Envoyer une pièce ? Bizarre un peu. C'est que deux pièces en vrai. Explosif. Grenade aveuglante. Ok. Où est-ce qu'il y a des agents de sécurité là ? Il n'y en a pas, hein. Moi, je peux monter là direct, non? Ah oh, non, peut-être pas. D'accord, d'accord. Non, mais j'ai vu à leur trouche, ils avaient pas l'air d'accord. Pourtant, je suis un agent d'entretien, faut pas que je puisse monter. Ah, mais j'ai pas le droit, il me faut la porte de service, moi. Je vais faire un truc ici, juste franchir. Il est marrant ce pouyot. Voilà, si je prends lui. Oh merde, il est parti. Je vais pas faire ça. Non mais ramasse-le, bordel. Ah non. Attends, attends. Mais attends. Bon bah se déguiser. Non mais... Ah. Ah, cours. Ok. Non mais c'est bon. En fait, il faut que je monte dans le bateau. Déguisé en lui. Du coup, je vais essayer. Avec mon extincteur. Je vais voir si c'est censé faire des défis. Je vais voir si ça fonctionne. Merci beaucoup, Rivière Bastide, c'est adorable, merci! Défi réussi, voilà, c'est ça que je voulais. Merci, merci beaucoup! T'étais sur quoi tu? Très gentil. Du coup, il faut que je le noie dans des chiottes, mais je sais pas comment faire. Salut, Ert! Bonsoir, Mystical. Y. Bonsoir Mystical. Allez à la cible. Oh, je peux le tuer avec un extincteur dans la gueule. Oh, ça l'a pas tué. Je suis une tristesse. Oula, c'est fort. Merci, merci. Ah, j'avais pas prévu ça. Je peux en envoyer d'autres? Non.
Ça marche pas, hein. Ça marche. Voilà, ouais, non, mais ça l'a pas tué, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ça aurait été tellement drôle. Activité illégale. Hein? Ah oui, non, mais non. Ouh! C'est officiel. Bon, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci! Voilà, on va essayer de se faire opérer déjà. On va essayer de pas se faire opérer déjà. Se déguiser. Là. Et là, je vais le cacher. Caché genre là. Non, il y a des gens, j'ai entendu. Ah bah je peux le cacher là. Déplacer. Non ! Déplacer. En plus, il est même pas mort, là il est assommé. Du coup, il tient littéralement debout en étant assommé. Ah ! Il va m'opérer lui si je monte. Non, mais putain, j'en ai marre ! Chaque fois, je me rechange. Prendre. Ça, je prends l'extincteur. Ça pourrait être utile quand même. Logique de tenir debout en étant mort. Avec la rigidité cadavérique, c'était au bout de 5 secondes. C'était gratuit. Non, pas se déguiser. Ça, j'ai juste fait ça parce que c'est marrant. Désolé, bro. Certaines, non mais je sais, on en a déjà parlé avant. Mais je dis qu'en plus c'est encore moins logique quand la personne est juste assommée. Non, je veux courir. Ok. Encore ici. Ah oui, ça je prends. Ah, il faut que je ressorte, attendez. Non mais... Ah oui, c'est... j'avais pris ça. Attendez, il faut que je ressorte. Et que je remonte à... Et que je remonte en étant habillée en flic. Voilà, ça va, ça les perturbe pas que je cours. Faites des lives sur moi, c'est honteux. T'es pas là quand je live, c'est honteux. Un pistolet par terre, mais j'en ai déjà sur moi, mais faut pas que j'en ai trop. En fait, le but, c'est de pas les utiliser. C'est plutôt... Arrête, tout à fait. On se voit, on boit un coup, ma couille. Lui il va pas me repérer. Mais par contre à l'étage, il y en a qui va me repérer. Ok. Mais en fait j'ai déjà validé mon défi. Oh un verre. Quoi? Non non non. Et pourquoi il m'a repéré? JPP, il me repère tout. Ça sert à quoi d'être déguisé en flics? Tous les flics pour faire. Faut que je tue pas trop. Si je me déguise en... En autre chose. C'est quoi ça? Oh, équipage du yacht. Ah c'est bon là, je vais pas me faire opérer. Je suis en équipage du yacht. Ouais. Ton arme est dans ta main. Ah mais ça doit jouer j'avoue. Et je sais pas comment l'enlever en fait. Le jeu il me dit pas. Sinon je prends un truc que je lâche. Genre le pied de biche même si ça me fait mal. Voilà. Alors là, je suis un peu mort repéré là. Ah là, c'est pas mal ça comme tenue. Alors attendez, l'environnement immédiat, il y avait un truc. Je pouvais empoisonner son verre. Merde, c'était où? Merde.
Ouais, pas grand monde qui peut m'opérer. Là, c'est la bonne tenue, ça. Ah si, y en a qui peuvent me repérer quand même. Y en a moins, mais y en a. Ouais, ça, j'ai vu que je pouvais être dans la foule. Hey, what's up? Pas empoisonné? J'ai pas de poison. Merde, j'ai oublié mon poison. Peut-être que ça se trouve en vrai. Regardez si je trouve du poison. Et dans mon placard à poison là. Mais que voilà! C'est bien ici! Qu'est-ce que c'est ça? Non mais qu'est-ce que ça fait là, la clé anglaise, hein? Un marteau, ouais d'accord. Pas du poison ici? Oh, ça c'est du poison! Non, c'est une plante, c'est un ficus. Je suis sûre qu'on peut trouver du poison quelque part! Je peux le mettre un mec là-dedans, genre le cuisinier. Plus tard, plus tard. L'anglais, c'est pour la crème anglaise. J'y arrive. Est-ce qu'elles ont le même nom de famille? Mais bah, tu prends pas les toilettes pour envoyer un SMS au bout d'un moment. Faut te foutre la gueule du monde là. Recherche du poison. On sait que ça se range où un poison? Ce serait marrant de l'empoisonner, non? Maîtriser, non. Laisse-les tranquilles, les petits gars. Quoi ça? Oh, de la mort aura! Nice! On a du poison! Le problème, c'est que je vais l'avoir dans ma main. Mais oui. C'est pas grave, si. Genre, ça risque de me faire repérer? Je pense pas. Genre, elle est dans la cuisine, quoi. Non, ça va. Kitchen. Ça, j'empoisonne la kitchen. Ça, j'empoisonne un verre. Mais empoisonner un verre en faisant devant tout le monde, c'est peut-être pas malin. On va faire une petite sauvegarde. Voilà. Ok, c'est normal la mort aura. Ouais, ça va. Mais là, si je le fais devant lui. Ah oui, je sais. Ok. Il va venir le prendre tout seul son verre ou faut que je lui apporte? Je peux pas. Hein. Faut que je sois déguisé en serveur, je pense. Pour lui apporter. Parce que je peux le noyer dans les chiottes en fait. Il est où? J'ai empoisonné un verre, je peux même pas lui apporter. Et si je prends lui, vous pensez que je peux lui apporter? Il est comme moi en vrai. Hein. J'ai peur de qu'il ait pas les... Il ait pas les droits. Bon, test. Hein. Les autres, bro. Ça, je le tue pas. En fait, si, je vais le tuer. Problème de pas le tuer. Ah, je peux pas le déguiser, merde. Je l'ai tué pour rien, vous voyez. Ah si, je l'ai tué pour faire ça. Sinon, je peux empoisonner la bouffe aussi. Je promène toujours avec la Morora. Ah, je comprends. Ouais, tout à fait, mec, tout à fait. Mais je peux pas prendre le verre et lui apporter, du coup. Ah, j'ai empoisonné un verre gratis. Un verre, je sais même pas qui il est le verre. Comme ça, j'ai vu un verre qui traînait, j'ai empoisonné. Innocent. Ah, pas tuer, c'est innocent. Oui, bah faut pas tuer tout court, hein, normalement. Tu sais, je suis un tueur sans foi ni loi, sans cœur ni pudeur, sans loi ni trépas. Je vais rechercher de la mort au rage, je vais empoisonner le plat, mais je vois pas ce que je peux en foutre du plat après. C'est où déjà? C'est là-bas. Ah, mais j'en ai plus! Merde! J'ai empoisonné le mauvais truc. Sinon, je recharge. Et cette fois, je tente, parce que là, je peux rien faire avec le verre. Je tente d'empoisonner plutôt le plat.
Qu'est-ce que vous en pensez? Mieux, hein? Ouais. Le verre, il est à personne, alors que le plat, je peux peut-être remplir une auge à quelqu'un. Enfin, je le tue pas pour la peine. Mais bon, je vais quand même le foutre dans un frigo, quoi. Ah bon, c'est un infini. Ah ouais, mais je l'avais plus dans ma main. Merde. On poisonne tout, alors. Hein? Je peux rien en faire, ça m'agace, hein. J'empoisonne plein de trucs et puis je peux rien en faire. Non, j'en ai plus de Morora. Hein. 10 pièces. How you doing? Je trouve une assiette. Ok. C'est pas un placard à assiette. Oh mais le verre, regardez, je pouvais rien en faire à tous les coups, là je pourrais rien en faire non plus hein. On va trouver une assiette, apparemment il n'y en a pas dans la cuisine. Hein. Empoisonnement en méthane, ça doit se faire. Hein. Faut tester quoi. Alors peut-être sur les tables, attendez, je vais pas tester. Non. Peut-être un petit verre. Non. Genre un verre de soupe. Ça va, la personne me repère ici. Bah, je vais fouiller un peu, hein. C'est pas une vraie piscine. Une assiette. Il y a moins d'assiettes que de Morora dans ce... Dans ce siège. Non, je vais pas faire ça. Ouh là là, je vais courir. Ah, c'est là-bas qu'il faut pas que j'aille. Il n'y a pas d'assiette, hein. Je suis désolé, mais il y a trop pas d'assiettes. Merde. Bah en fait, je peux empoisonner des trucs, mais elle est profonde, la piscine, pas des masses. Tu cherches mal. Comment ça, tu cherches mal? Tu t'es éclaté, hein? J'ai pris le mauvais, j'ai chargé le mauvais. Y a pas d'assiette. Pourquoi c'est si compliqué de trouver une assiette alors qu'elle devrait être dans la cuisine? Et pourquoi le verre, je peux pas le porter? Si je peux porter une assiette, pourquoi je peux pas porter un verre? Parce qu'en vrai, empoisonner le verre, ça me semble plus logique, mais faut qu'il le boive. Comment je peux faire pour qu'il le boive? Je ne sais pas. Peut-être que... Après, il est à l'étage, hein. Il est encore au-dessus. Peut-être qu'il faut que je lui serve un verre là-haut, j'empoisonne un verre là-haut. Peut-être que je monte davantage, hein. Et alors, genre là-bas, il y aura un verre. Hop! Ni vu ni connu, je t'empoisonne. Faut qu'il le boive. Ouais, bah c'est ça. Mais il est à l'étage, de toute façon. Attendez, je vais voir. Lui, c'est bon, là, il me... Parce que lui, il me faisait chier, hein. Ah! Oh oui, d'accord, c'est ici qu'il faut que j'aille. Ah, mais lui risque de m'empérer. Ok. Je recharge. Faut que je monte. Le problème, c'est que dans cette tenue, je suis vachement tranquille pour la plupart des agents. Sauf de la cible qui va m'opérer tout de suite. Bon, faut que j'empoisonne son verre. Sans qu'elle me voie. Ah mince, comment je suis montée? Où est Riz d'escalier? Ah, il est là. Toujours ma Morora à la main. Bon, je n'ouvre pas la porte de manière illégale, ça se fait pas. Hey, steward. Sorry, sailor. You're not coming through here. Sail away,
Sail away. Il y avait une fenêtre. On y va. Moi, je passe devant, il va me repérer. Comment je cours? Là, il y a personne. Ah, il est plus là. Oh non, il est parti. Ivanjoy, il est parti. Oh merde. Ah, fallait peut-être que je fasse cette interaction avant. Ah, puis tout le monde... On dit séparé. Sauf toi, dis donc. Oh, that's cute. The whole officer and a gentleman thing. Not gonna get you through here, sir. I'm sorry, this is a restricted area. Les mecs, ils viennent. Non, pas fait, fais pas ça. Non, 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 ça va, ça va. Y'a pas besoin. He's okay. Il va boire ton verre. Mais oui, mais merde, j'ai pas mis la morora. Je recommence, hein. Non, mais attendez. Du coup, j'empoisonne le verre, je vais là-haut et puis j'attends. Ok. Non, mais j'y pépé, là. Il fait tout un sa danse chelou. Et puis, il y a un verre qui l'attend depuis 20 minutes. Qu'est-ce que tu dis depuis 2 heures? Le verre, il va être tout chaud, ça va être dégueulasse. Hop. L'autre, il me voit bien, hein, le faire, hein. Aucune réaction. Non, mais non, en fait, c'était pour... je voulais tuer quelqu'un pour accéder près de la... pour arriver près de la cible. Parce qu'avec cette tenue, je peux pas. Parce que la cible elle-même me repère trop vite. Mais maintenant, c'est bon, j'ai empoisonné. Hop, je vais là-haut écouter, écouter leur petite conversation. Il va dire, oh, vous pouvez y aller, machin, machin. Les glaçons pardi. Mais sinon tu mets le poison dans les glaçons. Et du coup il va aller aux toilettes et je vais pouvoir le noyer. Et là on arrêtera. Relève-toi. Il faudra peut-être que je me change. Ah, il est toujours là-haut. Hein. Ça me sert à quoi de l'empoisonner? Ah, il prend un autre verre. Écoute. Oh, il prend un verre qu'il y a ici. À moins qu'il redescende. Prendre tous les verres du bar. Ah, oh, il descend là, non? Non, j'ai pas l'impression. On te... Mais oui, pourquoi il nous met un verre énorme là, le jeu? Ah non, il retourne dans sa cabine. Oh, ça me saoule! Ça me saoule, hein. Je vais monter. Maintenant que je sais dans quel verset.
Trop chiant. Chia, trop chiant, hein. On my way. Allez. How you doing? Hello, bro. Ici, il y a des gens qui peuvent me repérer ou pas? Non, en plus, même pas. Ah, là, il y a un petit verre, là. Oh là là! Tu dis rien, madame, hein. Quel petit secret. Une petite blague. Oh là là, tout ça pour ça quoi. Non mais mec, tu fais rien, tu regardes un fond d'écran de... De Dunkerque. J'aime bien dire Dunkerque. Et là il prend le verre du bas. Mais c'est bleu si beau en plus, si ça se trouve c'est aléatoire. Allez. Eh ben un coup maintenant. Descends, je vais pas descendre. Ok, c'est bon, il boit son verre. C'est faut tout faire quand c'est comme ça. Il est malade, il va aller faire caca. Il va aller vomir. Et là, je peux le noyer, là. Oh, le noyer dans son vomi. C'est terriblement approprié. Ah, on est trop fort. C'est bon, je comprends le jeu. 100%, j'ai tout pigé. Bon, eh ben on peut s'en aller. Je vais descendre. Je vais descendre. Un peu tard mince. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais descendre. C'est là. Pas du tout. Je m'en allais moi. Je suis descendu par... Ah oui, c'est par l'extérieur. I like that uniform. Swag. Ok. On peut se barrer. Là, du coup, j'ai accompli des succès. Je peux pas sauter là! Bah, c'est vrai que je suis censé être sur un bateau. Un peu bizarre. Il est merdu. Non, je me trompe de touche. Aïe. C'est ok. J'ai plus Doom Slayer que Hitman. On again. Great work initiated.
C'est le même type, hein. C'est juste l'armure qui change. C'est bon. Ok, ok, bon. En fait, faut faire un long repérage avant. Ce que je n'ai pas fait du tout. Mais bon, j'apprenais. J'apprenais. Succès. Ah, ça va quand même. Ça va quand même. Après, bah voilà, tu peux t'amuser à le tuer plusieurs fois, de plusieurs façons, machin. Mais bon. Entraînement supplémentaire, test final. Let's go pour le test final. Final test. I just got word. Romania was a dead end. Sa team Albatros, ça. Jokes dans Sniper Elite est tout sauf discret. Ça m'étonne pas, ça. Parce qu'il n'y avait pas de bruit. On n'a aucune preuve d'autre. Quelqu'un a dû effacer ses traces, hein. On continue notre enquête, bien sûr. Il semblerait qu'il ait surgi nulle part. Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear. Et pas tout ce qu'on dit, Miss Bernwood. Je maintiens ma décision. Très bien. I'll be watching. J'observerai. Mais tu dis ça à chaque fois, en fait. Oui, je vais te garder à l'œil. Oui, j'observerai. Bah, dis. Et alors, tu fais ça mal. J'ai une mise à jour Fall Guys. Bah oui, nouvelle saison, Today. La cible était Jasper Knight, célèbre maître d'échecs américain dont le statut d'espion à solde de l'URSS a fait des trucs. Ça vient. Ok, un joueur d'échecs. Écoutez-moi bien. Les examens de l'ICA ne sont normalement pas si compliqués. Non seulement l'aérodrome est une véritable forteresse, mais il a même rajouté des gardes. Zeus veut que vous échouiez. Il vous considère comme une menace. Oui, bon, d'accord, je m'en fous en fait. Vous pouvez en parler de ça avant le briefing. Il y a quoi là? Certaines conversations sont plus importantes que d'autres, tendez bien l'oreille. On prend le protocole de sécurité pour l'avion. Et sur pas de documents. Vraiment qu'on fasse tout ça, c'est un peu exagéré. Être un télé dans un avion de chasse à Mach 3. Non, c'est pas exagéré. Non, j'ai compris. Sécurité en tout, hein. N'importe ce qu'il fait, faut le faire, c'est tout. Intrigue révélée. Vous venez de découvrir des informations qui peuvent vous permettre de remplir votre mission de manière unique et inattendue. Il faut peut-être que je modifie le rapport de sécurité pour qu'il y ait un accident. Ah, ok. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a sécurité avant tout. Jet, but first he needs to test the jet's safety features. Ah ouais. Say you could... Ok. Ah, je peux Oh punaise, je peux franchir ça alors tout à l'heure une petite barrière, je pouvais pas. Bon là, je dois trouver très vite un déguisement. Ah, les hautes herbes, mes poteaux. Bonsoir, Fabélian. Je suis caché dans les hautes herbes. Oh. Ah, il faut que je l'attire. Ah, j'ai des pièces. Des pièces, ça. Je veux goûter. Alors, je vois comme ça. Hey, it's me. I just heard something suspicious. Mais on a plein de pièces de monnaie dans les buissons. Non. C'est des arbres à foulouse comme dans les Sims. What did you do? And they say cash is obsolete. Ok, faut que je fasse dedans. Oui, je peux. C'est quoi déjà? Déplacer CB. Si je le tue pas, il risque pas de se relever quand même. Je veux dire, sinon j'aurais pas le choix, quoi. J'en prends la pièce, moi. Je sais pas où j'ai le droit d'aller. Pardon. Je me cache.
Furtif. J'ai pas le droit d'aller là où je suis en fait, c'est ça? Semblerait hein. Oh, je peux envoyer un truc, attendez. Personne là? Eh, je peux le prendre lui. Allez. Non mais non, bébé, pour transporter. Comment ça je suis pourchassée? J'étais super discrète. D'accord. Ta gueule. Pardon. Je pose le coup lui. Vas-y. À saouler. Ah, c'est bien ça quand tu te fais à peine repérer et hop dans la gueule. Voilà. Bien là. Je suis caché. Hop. J'ai le droit d'être équipé, on est d'accord. Parce qu'ils étaient tous équipés avec une arme à la main. Avec le cœur. Là j'avoue, ça m'a fait très plaisir de lui envoyer un marteau dans la gueule. Ok, là je suis bien. Par contre là-bas il y a un truc à ramasser. Je vais voir ce que c'est. J'arrive. Je vais inspecter le sol. Mais ça m'a besoin d'une spéciaux. Oh, je me fasse repérer par lui. Marteau, ça m'a sauvé la vie. Ah, c'est le dossier! C'est le fameux truc de sécurité, alors faut que je fasse pas repérer par l'autre. Voilà, je l'ai. Éliminer le protocole. Hein? Ah, voilà, examiner. On va apporter des modifications à l'avion. Ah, d'accord, faut carrément apporter des modifications à l'avion. Modifications. Des modifs. On va apporter des modifs. Oui bah en fait fallait le dire avant que c'était des acteurs. Tiens, dans sa gueule d'acteur. Ah, mon arme par contre ça va pas le faire là. Faut que je m'en débarrasse. Voilà. Je suis un mécanicien, j'ai un marteau à la main, ils ok? Sinon je prends la clé anglaise. Dans la gueule, ça fait aussi mal. Tu vas te coucher? Pas bonne nuit. J'ai le droit d'être là. Regarde un petit peu s'il y a des objets un peu à loot. Avant de continuer. En fait, voilà, il y a plusieurs intrigues et le jeu t'indique comment aller au bout de cette intrigue en gros. Bonjour. En tout cas. Je suis limité en objet, je pense que oui. Alors, est-ce que je risque d'être repéré ici? Que par lui qui est de dos. He's ok. Donc faut que j'apporte des modifications tranquilles quoi. Au calme. Ah, de l'autre côté, mince, ça m'arrange pas parce que je risque de me faire repérer. Oh, il est de dos, ça va le faire. Hein. Ouais! Et j'ai tendu maintenant. Trouvez Jasper Knight et guidez-le à travers la procédure de sécurité. Ok. Alors, il est où, Jasper? Là-bas. Oh, c'est un pied de biche, c'est bon, j'ai assez de trucs. Hein. Comment je monte? J'ai pas vu d'escalier pour le moment.
I snuck a peek, so shoot me. I might just do that. Those are military secrets. Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming. What's wrong with this guy? So stay clear. Playing chess at a time like this? All right. Je vais mettre un jeu aussi d'échecs comme ça, c'est 50 km des États-Unis. T'es cassé au cul. C'est un champion d'échecs, connard. Est-ce qu'il prend un Ronaldo de jouer au foot quand il est à l'étranger, c'est trop bizarre. C'est quoi ces... C'est quoi ces types, hein? Ils sont pourris les acteurs, hein. Je peux rentrer là apparemment. Ouais. Trop bien. Il faut que j'interagisse avec moi. Jesper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Oh, must we really? Oui. Ça fait un clip, j'avais pas vu. Attends, faut que je descende par où, par là? Je me suis, hein? Fais pas des bêtises, hein? Et si je cours un... si je cours un peu, tu me suis aussi? Hop, hop, hop. Allez! Pas le temps. Mais regardez là-haut, là, mes indications à ce chevauche. Oh mais Jasper là! Je crie pas, faut que j'arrête de crier. Jasper là! Jasper! Jasper! Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Comme une ombre dans la nuit, exactement. Very well. Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a... Allez, man! Non, mais en même temps, si au bout d'un moment il me refuse de me suivre, c'est logique que je le perde. I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. Okay. C'est camouflé. Lorsque vous êtes camouflé, les agents qui portent la même tenue que vous ne peuvent pas vous repérer comme indiqué. Ah bon? Hey, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Ah oui, d'accord. All right. Easy. Bon, j'ai apporté quoi comme modification? Je sais même pas. Step 1. Strap yourself in. Okay. All strapped in. Step 2. Locate the ejector seat handle. Ça va faire quoi? Je suis assez curieuse. Yes, found it. Step 3. Pull the ejector seat handle. Ceci était un entraînement. Ça, c'est un entraînement. Voilà, j'ai fait mon travail. Il est mort, je n'ai plus rien à faire ici. En tant que mécanicien, je peux partir. Je me trompe. Ah c'est vrai que j'ai envie de faire B pour courir, mais non, c'est pas B. Je me tire. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Pourquoi tu précises humour entre parenthèses infernal Angelus? Ta blague est drôle, les gens rigoleront. Ceci est pour vous faire rire. Refusez les jokes de papa, quoi. Ah là là.
Oh, waouh. Toujours moins de charisme, hein, à chaque seconde qui passe. On a fini le tuto. J'espère que vous savez ce que vous avez fait. Vous vous rendez compte de ce que ça implique. L'hélicoptère décollera à l'aube. Vous pouvez disposer. On a été pris. So what happens now? You go back into the world. Intégrer le monde ordinaire, vous disparaissez seul. Restez en mouvement. Nous aurons besoin de vous, nous vous recontacterons. And so does. He played his hand. Il a joué sa main et a perdu. Il peut plus rien vous faire. Still, I can't believe we beat him at his own game. Vas-y, je reviens toujours pas qu'on ait fait des trucs. Et pas, des fois ça parle beaucoup trop vite. Non. Je peux pas. I should tell you. The trail went dead after Romania. Je peux pas passer parce qu'en vrai, le soi-disant scénario, voilà, je fiche un petit peu. Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassin. D'accord, ok. C'est bon, on va pouvoir, hein, commencer le jeu pour de vrai. Bisous VOD, c'était le tuto du Hitman.